Un appel au médecin, s'il te plaît, pour qu'il soigne. Ok. Ok. Je sais que je suis un peu égratigné quand même. Ouais, tu lui dis s'il en est déco, tu lui dis qu'il vient sur pompe. Il y a plus de médecin, il s'est déco. Ah merde, putain. Bah vas-y, je t'emmène au Comico, tu vas te soigner. Viens, je viens. Oula, ouais. Il y a un excès de vitesse là. Les gars, on est sur un excès de vitesse. Skyline noire, elle vient de se planter. Ah, mais si t'as pas vu à combien elle roulait, t'as pas le droit de le choper normalement. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de flasher en plus. Si tu l'as pas flashé, bah c'est mort. Putain, en plus ce bataille roule à moins 80 quoi. Tiens, ouais, là tu vas pouvoir le flasher. 61. Ouais, refus de tempérer. Ah, il est derrière nous. 110, 120, 130. Ouais, refus de tempérer là les gars. 140. Tu fais quoi en Trax? 150. En fait, je pensais qu'il allait monter dedans. 170. Il va scratcher lui, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mon gars, tu m'as rentré. Bah écoute, je suis passé. C'était soit vous, soit nous. Tourne à gauche. Il s'est planté. Ah, quel pilote? Ok, il essaie de nous menacer. C'est lui qui tire? Ouais. C'est bon, allez. Tiens, sur agent et tout, lui, il a tout à l'heure. Ouais. Lui il va prendre tarif. En toi type de meurtre. Vous le mettez en foyer son véhicule? Ouais, vous le mettez en foyer. Attends, fouille d'abord. Oui, tu fouilles, moi j'emmène le mec. Vous avez vu qu'il voulait faire la course là? Ouais. Pourquoi je m'arrêtais? Ah, d'accord. Lui il est mignon, on lui met un tout petit peu. Ok, il est dans votre véhicule les gars. Mec il nous a foulé comme des bâtards, pourquoi vous m'arrêtez? Monsieur, je comprends pas pourquoi vous m'arrêtez. Je comprends pas, j'ai fait quoi de mal? Et il tire comme une brêle, hein! En plus, ouais. Mec, t'as tout eu quoi, refus de tempérer, ma poule! En Trax, tu me laisses m'en occuper s'il te plaît? Parce que lui, il a pas arrêté de me casser les couilles. C'est sa bête aujourd'hui. Ouais. C'est la bête noire. Aujourd'hui, c'est ma pute! Bon, je me mute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bah alors? Qu'est-ce qui vous prend? Bah alors? Ah ouais, vous voulez pas faire la course aussi, moi vous me forcez hein. Mais grâce à vous monsieur, j'ai vu l'intérieur d'une voiture de police, donc je vous remercie. Major, est-ce que vous pouvez arrêter l'escorte s'il vous plaît? Grâce à vous aussi, mon pote a vendu des tortues, c'est très très gentil ça. Merci Major. Vas-y, mais bon monsieur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pour t'aider, tu vises une fenêtre, tu mets ton pointeur à travers la fenêtre. D'accord. Et en fait ça prend l'extérieur. Ok, je te remercie. Oui donc monsieur, alors là, je vous explique, hein, vous êtes dans le sale drap. Hein, d'accord, parce que il y a un refus d'obtempérer, il y a un excès de vitesse, hein, vous avez roulé à contresens, il y a des feux rouges, et puis surtout, et le plus principal, monsieur, c'est que vous avez ouvert le feu sur des agents de police, monsieur. Donc il y a... Non, monsieur, arrêtez monsieur avec vos excuses là, je vais vous expliquer, il y a tentative d'homicide sur agent. Donc là monsieur, vous allez faire de la prison là monsieur, il n'y a pas le choix. Donc est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Si vous voulez monsieur, je peux m'arranger avec vous, je vous lance des positions d'endroits stratégiques de trafic et vous pouvez aller arrêter tout ce qu'il y a. Hein. D'accord monsieur, je retiens aussi la tentative de corruption. Ok, continue comme ça, monsieur. Moi, ça me plaît quand on joue à ce petit jeu-là avec moi. Donc maintenant, monsieur, je vais vous expliquer. Est-ce que vous reconnaissez les faits? C'est pas une tentative de... Monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non, je reconnais rien du tout. Moi,
Bon, très bien, monsieur. Écoutez, je vais vous lire vos droits, monsieur. Je vais vous lire vos droits, monsieur. D'accord ? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous lors de votre passage au tribunal. Ok ? Vous avez le droit à un avocat. Mais comme il n'y en a pas, en service actuellement, eh ben, vous n'en avez pas. D'accord ? Ah ben moi je veux un avocat, je parlerai plus sans avocat. Eh ben tant mieux monsieur, ça m'évitera d'user ma salive. Bon, je vais vous déjà je vais vous faire un compte rendu de toutes les amendes que vous allez à payer. Et ensuite on avisera monsieur, pour la prison. Pas d'argent par contre, ça va être un peu compliqué. Vous avez pas d'argent monsieur ? Est-ce que vous êtes en mesure de payer les amendes monsieur ? C'est pas le problème. Franchement je pense pas. Vous savez c'est dur la vie hein. Avec les gosses, ça bouffe. Les couches aussi. Faut changer les couches, ça c'est horrible. Ouais, mais vous verrez en prison, monsieur, les oranges, c'est pas cher. Ouais, mais moi j'aime pas trop la prison non plus. Hein. Mais si vous voulez, je peux vous dire, je connais plein de rebelles. Bon, bah écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez payer les amendes ou pas ? Et ils sont de combien ? Quel montant les amendes ? Allez, je vais vous dire ça. Et ma skyline, elle est à la fourrière. Donc il y en a pour 38 000 euros, monsieur d'amende. Est-ce que vous êtes en mesure de payer cette amende ou pas ? Combien ? De quoi ? 38 000 euros, monsieur. Monsieur, ça a explosé. Monsieur, c'est pas sujet de la discussion, monsieur. Est-ce que vous êtes en mesure de payer 38 000 $, monsieur ? 38 millions. 38 000 $, monsieur, est-ce que vous êtes... Ah, 38 000 $, bah putain, c'est pas cher payé pour tirer sur des flics, hein. Ah bah bien sûr. Et si jamais je paye 35 000 $, je vais pas en prison, c'est bon. Monsieur, si jamais je paye l'amende... Payer l'amende déjà dans un premier temps, monsieur. Ne pas payer une amende équivaut à un ban de Lakeside Valley. Voilà. Monsieur, ensuite, monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de partir en prison ? Ah ouais, vous faites payer l'amende et en plus vous faites partir en prison. Comme vous avez dit, monsieur, 35 000, c'est pas cher payé pour avoir tiré sur des agents. D'accord ? Ah, s'il vous plaît, monsieur, je rigolais, c'était une petite... Monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire en rapport avec les infractions qui vous sont reprochées ? Oui, je suis désolé, monsieur, je referai plus jamais ça. Très bien, monsieur, bah écoutez, je vous pardonne. J'ai pas envie de ramasser la savonnette, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je vous jure, je vous ferai des billets de pièces, si vous voulez. Allez, vous inquiétez pas, il y a très peu de personnes en prison en ce moment, donc... Mais si, non, je veux pas, je m'en fous, je veux pas, monsieur. Je veux pas. Si vous voulez, je vous passe 10 000 de plus, mais... Allez, au revoir. Tu l'as mis en prison ? Ouais. Ah bah attends, ouais. L'autre enculé là. Si vous voulez, je vous donne 10 000 euros de plus et... Je lui avais déjà mis tentative de corruption, donc c'est bon.